Si nous sommes sur l'île de Saint-Océphre, dans l'archipel de la Madeleine, nous avons le plaisir de rencontrer Delphine au coucher du soleil, une petite merveille, ce paysage, et Delphine aussi, car elle est plongeuse, et va nous raconter pourquoi elle aime autant ce sport. Alors, la plongée, oui, effectivement, c'est une histoire d'amour depuis longtemps. Parce que j'ai découvert ce sport quand j'étais très très jeune. J'ai eu la chance de faire un baptême en Martinique. J'ai découvert le monde sous-marin et c'était pour moi une révélation. Donc, je suis rentrée chez moi. J'ai commencé les cours de plongée à 14 ans. Et puis, je ne me suis jamais arrêtée depuis. Et donc, tu as choisi de te plonger ici, pour quelle raison? Alors la Maddalena, c'est un endroit que j'ai connu il y a 2 ans, grâce à toi d'ailleurs. Et puis ça m'a rappelé beaucoup mes plongées de Corse, dans les îles Lavezzi notamment, qui sont juste au large, un peu plus au nord, qui sont de très très jolies îles. Et ici ça ressemble beaucoup, mais encore de plus jolis rochers qui font penser aux Seychelles. Et puis mes petits mérous que j'adore, que j'ai retrouvés également. Donc, Tu as quel niveau de plongeuse? Plonger au niveau de la Fédération française, c'est le deuxième niveau qui me permet de plonger à peu près 40 mètres. Ah, c'est super. Et là, aujourd'hui, tu as plongé où? Aujourd'hui, on a fait 2 plongées ce matin, donc une sortie pas très loin ici à Washington Rock. C'est un site de plongée découvert par les Américains, d'où son nom, qui est près de Boudelli. Donc ici, il y a plein de petits îlots, plein de petites îles. Et un site remarquable également que j'ai découvert, que je ne connaissais pas. C'est un grand caillou immergé entre 6 et 40 mètres à peu près de profondeur, très très intéressant à explorer. Tu as plongé où dans le monde? Alors j'ai plongé beaucoup en mer Rouge, beaucoup en Méditerranée, et puis en Indonésie également, en Nouvelle-Calédonie, un petit peu en Thaïlande, puis après en Europe notamment. Donc ici à l'île de Saint-Océphre, tu as plongé ce matin apparemment avec quelqu'un de très important. Oui, alors effectivement, j'ai fait la connaissance d'un monsieur qui était instructeur, donc forcément un professionnel, qui a fait 10 000 plongées, donc chose que j'avais jamais entendue. Et puis avec un matériel de photographe très très pro également, donc on a fait une très belle plongée à quatre, c'était très sympa. Ben, écoute, Delphine, on te remercie vraiment beaucoup et bon séjour à l'archipel de la Merci, Madeleine. Ciao, ciao. merci, ciao! Ciao, ciao, ciao.